l'ASCOFI, avec le bureau genre, avec le réseau des femmes enseignantes, tout autour de l'inspection d'académie, en présence de l'IF bien sûr, et des chefs d'établissement qui ont bien voulu nous mobiliser cette masse d'élèves autour de nous. C'est le moment de remercier vivement tous les partenaires de l'école en général et de la scolarisation des filles en particulier. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous les acteurs de ce temple du savoir. Cette journée revêt une grande importance car elle nous permet de faire un round-up des contraintes qui menacent l'accès, le maintien et la promotion des filles à l'école. Celui de cette année, intitulé « Pour une école de la réussite, un environnement sécurisé, le bien-être des filles assuré », n'a pas failli à la tradition. Il est temps pour nous tous de nous montrer responsables avec et pour les filles et d'investir dans un avenir qui croit en leur action, leur leadership et leur potentiel. Les adolescentes ont le droit à une vie sûre, en bonne santé et à une éducation, non seulement au cours de leurs années d'apprentissage, mais aussi une fois devenues femmes. Pour rappel, grâce à la cellule genre et l'équité du MEN, appuyée par le partenaire légendaire, à savoir l'UNICEF, des activités de sensibilisation sur des thématiques qui ont comme nom violence faite aux filles, promouvoir les filières scientifiques et technologiques chez les filles, la déclaration des enfants à la naissance ont été déroulées au cours de l'année scolaire 2021-2022. On est là pour vous expliquer c'est quoi l'équipe d'hygiène. Raison pour laquelle vous avez vu tout ce sac-là, ce sera pour vous les filles. C'est quoi les règles ou bien les mensuels? Qui peut m'expliquer ça?